Juste avant que la vidéo commence, je tenais à remercier mon partenariat Personnalista Coke de m'avoir envoyé cette magnifique coque pour mon iPhone 7. Donc pour ceux qui ne savent pas, Personnalista Coke, c'est un site qui vous propose de créer des coques personnalisables, donc avec la photo que vous voulez sur la coque. Donc là, moi j'ai choisi mon logo. Franchement, ça fait super stylé. Donc leur site est en description et je dispose d'un code promo aussi qui est d'ailleurs en description. Donc pour ceux qui sont intéressés pour faire une coque avec l'image qu'ils veulent, le site est en bas en description. Et voilà. Sur ce, moi je vous dis à tout de suite avec la vidéo la famille. Yo la famille, c'est Uncle2, j'espère que vous allez tous très bien la famille, en tout cas pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui la famille, nouvelle dégustation d'un kebab au poulet curry, poulet chica, chica, chica. Oh la vie de ma mère la famille, aujourd'hui on se trouve pour une dégustation, ça sort tout droit du fast food. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris, c'est un espèce de kebab, pas avec de la viande de kebab mais avec du poulet curry. Bien curieux, oh vie de ma mère, ça fait longtemps que j'avais pas goûté le poulet curry. Du coup c'est pour ça que je me suis dit aujourd'hui, je vais leur proposer une magnifique dégustation. Un sandwich énormément garni. Ah, allô? Ah, ah. Ouais, ouais, non, c'est bon, il est garni. Voilà qu'il est garni. Il y a une communication réseau entre moi et lui. Il est garni. Il y a bien de la garniture dedans. Donc c'est parti, on va l'ouvrir, la famille. Oh, ça fait plaisir, franchement, de vous proposer une. Regardez-moi ça. Oh non, 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 non. Regardez, regardez cette plaquette bien plaquettifiée. Ça se voit qu'ils ont mis du ciment pour que les kebabs ils tiennent dans la surface. Oh. Et je vous montrer bien la bête. Hein, parce que voilà, faut montrer la bête quoi. Regardez-moi ça, regardez la vie de ma mère, waouh, du bon poulet. Et c'est pas du poulet basique, hein, c'est pas du poulet classique, du poulet naturel, du poulet Gucci ou du poulet Calvin Klein. Ça c'est du poulet la famille, avec des arômes de curry et des arômes un peu de paprika. C'est du poulet indien, c'est grave super bon. Et franchement, testez le poulet curry au kebab pour changer de la viande de kebab, c'est une tuerie. Et regardez comment ils ont garni. Il y en a même qui tombent par terre, la tête de Wham, ils veulent s'enfuir, ils veulent faire comme Prison Break, ils veulent faire comme Prison Break, Scofield, la tête de Wham. Oh. Oh, rien qu'à l'odeur, franchement, c'est tout simplement magnifique. Donc là, vous connaissez la base, la famille. Donc j'ai pris comme ce samouraï mayonnaise. Et vous connaissez la base, on commence tout le temps par les frites. Le requin, il commence par les frites, la famille. On va goûter les magnifiques frites avec de la sauce samouraï. Voilà, j'ai envie de me taper. Oh, la sauce samouraï. Oh, la famille, la sauce samouraï. T'as envie de te battre avec des samouraïs. Oh la vie de ma mère, oh, cette magnifique sauce la famille, franchement ça fait grave plaisir, ça fait. Enfin ça fait pas si longtemps que ça, mais un poulet curry comme ça, ça fait un mois que je l'avais pas goûté. Quel un mois frère? Un an, voilà la dîme, ça fait un an que j'avais pas mangé de poulet curry au kebab. Mmh. Non les frites avec la sauce samouraï. Ouais c'est parfait, c'est parfait. Et la boisson, j'ai pris un sirop goût rouge à lèvres. Non je rigole, voilà il est rouge, je sais même pas c'est quoi comme boisson, j'ai pris aléatoirement. Et là, on a arrêté de parler chinois. On va goûter la bête, regardez il y a le fromage là. Du fromage et tout, oh le poulet il a de violent la famille. Donc c'est parti, on va goûter ça. On va taper un croc. Oh. Oh. Non, la tendresse. Oh. Regardez, regardez le croc que j'ai tapé. Hein. Oh, j'ai tapé un bon croc dans la viande. En fait, il y a deux types de viande. Il y a curry et il y a la viande chica aussi. Ils ont même deux types de poulet avec deux types d'assaisonnement. Oh. Regardez comment il est jaune. Ça se voit qu'il a mis le gilet jaune fluorescent quand on tombe en panne dans la voiture. Regardez, il est bien jaune, c'est un truc de ouf. Ils l'ont surligné au surligneur, ouais. Ouais, regardez, c'est un truc de ouf, il est fluo. Oh. On tape un deuxième croc. Non, pas mieux là. Non, c'est magique. C'est magique. Je trouve plus les mots pour décrire. Franchement, c'est du poulet super bon. Regardez le blanc. Attends, je vais vous montrer un bon morceau quand même. Regardez le blanc de poulet. Enfin, avec de la salade, ils ont mis de la salade dedans, des oignons, du fromage cheddar. Et bien fondant. On va tester un peu avec des frites. Alors, on va mettre des frites sur le bail. On va goûter ça. Oh.
Je suis en train de me faire téléporter là. Moi. Voilà, j'ai envie de danser avec la barquette. Et le délire, c'est que le pain, il est bien moelleux, regarde-le. Le pain, il est super bien toasté. Et ça, c'est un truc de ouf. Wallah que c'est un truc de ouf. Ça va sucer la bouche, au moins. Parce que c'est un chantier, ma bouche, là. Enfin, vraiment, c'est une... C'est une tuerie. Avec la... Avec les frites, là. On va goûter la sauce mayonnaise. J'ai jamais goûté leur mayonnaise. Ouais, voilà. Leur mayonnaise, elle fait tout simplement tourner la tête. Vraiment. Elle fait juste tourner la tête. Elle est extrêmement bonne. On sent bien le goût de la mayonnaise. Enfin, voilà. Parce que des mayonnaises, elles sont vraiment légères. Et là, c'est pas du tout léger. C'est pas du tout léger, la femme. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on va goûter le sirop que j'ai pris. Parce qu'en fait, j'ai pris un sirop, mais je sais même pas c'est quoi. J'espère que c'est pas du sang de chameau ou un truc comme ça. Donc, c'est parti, on va goûter. Et c'est rempli à ras-bord. Et ça coûte 1 euro. Si je prends ça, c'est parce que, en fait, une canette, il y a moins de quantité et ça coûte 1 euro. Ça, t'as 20 centilitres de plus et ça coûte le même prix qu'une canette. Donc, c'est parti, on va goûter. Oh. Oh, c'est du sirop de cerise. Oh. C'est super bon. C'est super bon. La cerise, elle est bien résistante, résifiée. Ouais, ouais, oh, oh, ah. Oh, non. Franchement, les sirops, ils l'envoient. Mais je goûte. Franchement, ils font des bêtes de sirop. Wallah kaladim, qu'ils font des bêtes de sirop. Ils font des bêtes de kebab, enfin, de sandwich chicken. Curry, oh, c'est une tuerie, la famille. Le poulet, il est bien curieux. Oh, putain. Oh, le poulet, il est bien chaud. Et tu t'en lasses pas, tu t'en lasses pas. Regardez, regardez la mayonnaise qu'ils ont mis. Mmh. Là, c'est une tuerie. C'est une tuerie, la famille. Une pure dinguerie. Donc, sur ce, la famille, ça va être la fin de la dégustation. Franchement, j'ai tout rafale. Je vais manger tranquillement ça en fin de vidéo. C'était juste histoire de vous faire partager l'événement de saveur de ce magnifique kebab curry. Donc, n'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire, à vous abonner à la chaîne comme d'hab, la famille. Et nous, on va se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et là, on profite bien parce que après, c'est Ramadan, vous connaissez, ça va être chaud. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos, la famille. Ciao!